dans le pays d'Haïti. Et nous allons parler de phénomène ça qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Nous allons parler de insécurité. Bandi armé kidnappé 17 missionnaires étrangers. Puis voilà, d'ailleurs, c'est américain. On dit 16 américains avec yon canadien dans la localité Gantier, tout près capitale la Port-au-Prince. Sandra Lemaire, gain détail. Yon porte-parole département d'État américain confirmé bandi kidnappé 17 moun, parmi yon 16 citoyens États-Unis, samedi dans Port-au-Prince. Sécurité et bien-être citoyen américain qui à l'étranger, c'est une des plus grosses priorités département d'État. Porte-parole l'a fait connaître dans une déclaration livrée par Voix de l'Amérique par courrier électronique. Porte-parole l'a dit, département d'État a un contact régulier avec gros responsables pays d'Haïti et ils peuvent continuer de travailler ensemble pour jouer une libération Moun Sayo. Il n'y a pas bail aucun autre détail. C'est gang 400 Marozoa qui kidnappé groupe là dans zone Gantier à l'est Port-au-Prince. Gang ça qui contrôlait zone Kwadebukea te kidnappé 5 prêtres et 2 mères religieuses puis bonheur dans l'année. Christian Aid Ministries, un groupe protestant qui gagne quartier général dans l'État Ohio aux États-Unis, The Associated Press, groupe qui kidnappé a te gagne un Canadien, 5 timoun, 7 femmes et 5 garçons la donne. Organisation dit yo t'a visité un orphelinat dans moment yo te kidnappé yo. Dans une interview avec leader gang G9 là, Jimmy Cherizier alias Barbecue, nous mandé monsieur pour qui ça ravisseur yo a visé moun l'église yo. C'est dommage, son triste vérité lié. Et c'est pas seulement l'église et qui ciblé, mais j'en dis là, c'est toute société en général qui pas épargné avec phénomène kidnapping. C'est tout le monde, c'est toute couche dans la société qui touché par phénomène ça, qui dommage son bagage qui a détruit la société. Évêque haïtien Jérôme Mirbel, qui vit dans l'État Ohio, dit missionnaire a fait travail essentiel en Haïti. In Miragwan, an orphanage. Il dit nous gagnons l'école Miragwan, une orphelinat et nous baillons la population à manger. Évêque l'a mandé pour 400 marozo lagué otage. Like 17 missionaries to be released right away. Leader G9 là, Cherizier, by opinion parlé sur ce qui motivé kidnapper. Depuis que pays lock, depuis que troubles politiques ça yo, monsieur qui a fait kidnapping yo, profiter pour lier kidnapping là avec et troubles politiques qui gagnent dans le pays. Parce que les troubles politiques comme ça, la police avec l'État pas de contrôle et pays. Ils n'ont pas de contrôle et sécurité. Et ils ont pas profité de ça et que pour avancer avec le kidnapping. Et ça, sont partis dans le problème kidnapping. Mais le kidnapping a un aspect social là-dedans. Aspect social qui est dans le kidnapping, c'est dans le quartier défavorisé, ça nous relève les ghettos. Les gens vivent dans une situation qui est inhumaine. Côté les gens ne peuvent pas vivre comme ça. Et à chaque occasion, nous toujours des chances pour nous dire, l'entrée en dedans, Waf Jérémy, l'entrée en dedans, la Saline, et l'entrée en Cité Soleil, pour nous citer nos ghettos seulement. Parce que la réalité de ghetto n'est pas différente de Delma 2, Delma 4, Delma 6, bon, la Kaipam. Et maintenant, aspect social, condition de pauvreté extrême et que vous mettez Mounio, ça, il peut le marier avec phénomène et kidnapping. Nan. En gros, depuis le pays n'est pas stable, depuis le pays n'est pas politiquement, il y a des troubles là-dedans, monsieur qui a fait kidnapping, yo, et il a toujours profité de ça et que pour être capable de continuer avec Zach kidnapping. Non. Pendant ce temps, Moun Port-au-Prince a gagné qu'à sauter insécurité à beaucoup prête pour l'améliorer. Cher, comme nécessairement, en ce qui a de la sécurité, nous allons aller de ça. Sur le point de sécurité, nous allons dire zéro. Parce que presque tout a été fait pour veiller à l'envie. Et l'autre des effets de kidnapping, non? Et il n'est pas bon pour nous, il fait faire sur nous-mêmes qui trafiquent trafic moto. Et les gens ne prennent la rue, nous ne pas joindre les gens pour nous voter. Nous avons madame, nous avons petite, nous avons 4-5 petites, nous avons responsable, nous avons foyer.
Haïti a prédi pour gérer non seulement une augmentation dans le kidnapping depuis la mort président Jovenel Moïse 7 juillet passé, mais tout conséquence tremblement de terre 14 août là qui touillait plus passé 2200 monde. Sandra Lemaire pour La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra Lemaire. Dans Washington, même la Maison Blanche fait connaître que président Joe Biden et joint renseignement, joint information sur situation américain yo kidnappé dans le pays d'Haïti. Mais sa porte-parole, la Maison Blanche l'a dit, Léo Mandel, si États-Unis envisageait voyer militaire en Haïti pour chercher missionnaire ravisseur kidnappé, mais ça le répond. Is the president considering sending in the U.S. military to help rescue the Americans who are kidnapped? I would really point you to the Department of Defense to speak to that and to my colleague over there, John Kirby. But again, where our efforts right now are focused are with officials on the ground, including from the FBI, working closely with our diplomatic team in the U.S. Embassy in Port-au-Prince, who's coordinating with local authorities, providing assistance to the families, and also working to get the U.S. citizens involved to safety. But I don't have any additional details at this point. Donc, tako nous tendait secrétaire la Maison Blanche là dit que eh ben gain des officiels qui déjà souterrain qu'apprenseyo et pour le moment pas gain trop détails sous situation pour le moment. Donc nous même n'a continuer et prendre contact avec la Maison Blanche si gagné l'autre réaction, l'autre développement sous question. Pendant ce temps, Haïti lui même hier célébré 215e anniversaire de mort empereur Jean-Jacques Dessalines et qui déroulait dans gros tension. Exécutif là-bas côté parle avec groupe G9 yon l'autre bord en Alouest à Bipré. Journée historique ça après commencer avec une tentative pour premier ministre Ariel Henry t'a fait une offrande florale dans Pont Rouge. Échec puisque c'est dans l'hôtel de la Patrie, surtout après une deuxième station dans le musée Panthéon National là, Mupana qui pas de Paris pour événement que chef primature là après le fait traditionnel offrande florale. Pendant ce temps groupe G9 là, famille et alliés moyen yon main tout qui gagne en tête li Jimmy Cherizier alias Barbecue qui lui même déposé yon jeb fleur, plusieurs jeb fleur ak yon signe respect devant yon photo de défunt président Jovenel Moïse. En vain, il te prend la parole. C'est à vous même que nous n'avons pas versé nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de nous. La police n'a pas corrigé tête ni en taliban, ni en criminel, parce que la police sorti dans ce peuple-là. Journée historique, ça, après le continuer dans la cité de l'indépendance, là. Gonaïve. Côté premier ministre, là, seulement déposé yon jeb fle, en vain, il mette tête li pour Akaye, qui a célébré 200e anniversaire. Mesdames, messieurs, ce 17 octobre 2021, nous célébrons le bicentenaire de la commune de l'Arcaïe. Nous en sommes joyeux. En même temps, nous commémorons l'assassinat du premier chef d'État haïtien, 215 ans, alors qu'il y a 3 mois, le dernier s'est fait assassiner. Rosemela petit frère, ancien magistrat Akaye, était tout profité. Fait référence à un paquet d'accord par rapport à la crise politique là, avant que le Premier ministre Ariel Henry lance un appel à l'unité, pendant qu'il fait promesse concernant l'élection et nouvelle constitution. Moi-même, comme chef gouvernement, je travaille pour monter un CEP crédible. Je travaille pour nous mettre un constituant, pour nous mettre une constitution que tout peuple a d'accord. Je travaille pour nous mettre un gouvernement consensuel et inclusif. Nous travaillons pour nous combattre l'insécurité à tout associé. Nous travaillons pour la réconciliation nationale. Nous travaillons avec tout le monde pour nous appliquer l'accord politique pour un gouvernement apaisé et efficace dans la période intérimaire. Que plus que 683 partis politiques à représentants organisations de société civile déjà signé. Gros événement dans l'occasion, célébration 215e anniversaire empereur Jean-Jacques Dessalines, rete bras de fer entre pouvoir central là à gang armé, principalement G9 là, qui les même fait carnaval après que chef li te fin déposé Jeb Fleur dans Pont Rouge.
Et puis toujours sous question et 215e anniversaire de la mort empereur Jean-Jacques Dessalines, nous prenons dans Gonaïve côté cérémonie déroulée dans l'indifférence d'après correspondant nous dans zone Exalus Mergena. 215 l'année, assassinat Papa Nation dans la commune Marchand des Salines commémoré dans une très grande différence dimanche 17 octobre 2021. Comparativement à l'année passée, pas de gagné traditionnelle messe dans la cathédrale Claire et Rose là. Porte cathédrale là qui était l'ouvrie vers 6h du matin pour fidèle qui a participé dans la messe qui toujours gagné comme d'habitude chaque dimanche d'après le fermé vers 10h30 environ 2h de temps avant Premier ministre Ariel Henry qui était gagné avec Sénateur Latibonitlan, Grassa Delva, ak vice-délégué arrondissement Wadner Joseph, ak l'autre officiel nan gouvernement de facto a te déposé yon jepflet nan pied monument empereur Jean-Jacques Dessalines qui sous place publique là. Offrande dans Floral ça, c'était seule activité officielle qui marquait journée 17 octobre là nan commune Marchand Dessalines. Aucune autorité pas de fait discours ni déclaration dans l'occasion, même si autorité intérimaire te dépensé l'argent pour te construire yon gros stand officiel en face place publique là qui te doué accueillir. Tout ça c'était pour grand merci puisque quelques minutes après Premier ministre Ariel Henry te quitté commune sans dire un mot, yo te commencé à démolition stand là. Vice-délégué arrondissement Wadner Joseph qui t'a tenté expliquer ça qui passé a fait qu'on est c'est Weta, ministre Ariel Henry te prend pour arriver dans la commune qui dérangeait l'activité. En général, jour 17 là, c'est côté nous y a là, toujours gagné et prise de parole, côté que les magistrats, le président de la République ou bien numéro un pays qui est toujours parlé, eh bien, jour 10 où est gagné des retards. Et Weta là, c'est lui-même qui cause que les sénateurs ne pas parler, les magistrats ne pas parler, les plus bien ne pas parler. C'est vrai, Premier ministre Ariel Henry te fait mon retour en ligne pendant plusieurs temps. Cependant, l'arrivée, la presse pas trop marqué en qu'un arrangement sonore sous ce stand officiel là. Faut que nous dit, dans le moment, Premier ministre Ariel Henry te rentré et chita dans la machine li, y a un commandant qui te dans le cortège li te profité distribuer en pile enveloppe qui te gagne la dan yo de 1500 goud. Quelques monde qui te recevoir enveloppe sa yo te exprimé contentement yo. Bien, je n'ai enveloppe. 500 dollars, 500 dollars, merci beaucoup, mon cher Libavelli. Merci, Baoul. Ariel Henry, c'est l'intéressé d'Elva. N'a pas rappelé, avant qu'il ait été assassiné le 7 juillet passé, à défunt président Jovenel Moïse te prenait un décret qui priorisait anniversaire en Péréa 20 septembre dans la localité Breda, qui est dans le trou du Nord, dans le département Nord. Exalus Mère Jeuna, Gonaïve, pour la voix de l'Amérique. Merci, Mère Jeuna. N'a pas entré dans l'actualité ici aux États-Unis. Go point, c'est général Colin Powell, qui c'est premier noir américain qui occupe poste secrétaire d'État, soit ministre affaires étrangères des États-Unis, et qui c'est yon ancien commandant en chef au état-major forces armées américaines, yo. Eh ben, li mouri dans le commencement journée lundi 18 octobre, là, en bas complication qui est associée avec maladie COVID-19, là. Li te gen 84 ans. Dans l'occasion de la mort ancien général Colin Powell, n'a faut suivre témoignage chef diplomatie les États-Unis Anthony Blinken ron ancien collègue. Secretary Powell's career in the US military is legendary. As a teenager at the City College of New York, carrière secrétaire d'État Powell dans l'armée américaine, non, c'est une carrière légendaire. Comme un jeune garçon qui peut qu'au gain 20 ans pendant le temps à l'université City College New York là, pas loin côté il était grandi dans pati sud Bronx, il était entré dans l'académie militaire et après il était fin prendre diplôme li, il était tourné un officier militaire. Pendant 35 ans, il était travaillé comme un soldat professionnel. Il était commencé dans l'infanterie, il était servi pendant deux fois au Vietnam, il était stationné dans Corée du Sud avec Allemagne de l'Ouest et puis c'est lui qui était supervisé opération tempête du désert dans Irak. En vol te gen temps prendre retraite li dans l'armée. Sans dire peut-être, c'était Américain monté plus admiré et respecté dans force armée les États-Unis. C'est dans l'époque ça, il était recevoir deuxième médaille de la liberté dans le président Bill Clinton qui était déclaré dans la cérémonie. Jodia, une nation reconnaissante a constaté fin une carrière distinguée pendant la célébrer 30 années service avec victoire. Victoire pour l'armée américaine, non? Qui t'a offert un jeune Colin Powell une opportunité pour t'apprendre, développer et puis diriger. Une victoire pour l'armée et pour l'idée politique yo, qui continue à voyer M. Monté à cause d'une confiance totale yo gen en li,
et puis yo partagé même respect à pour lui. C'est une victoire pour un pays que le t'est servi comme ça doit. Et ça qui est important toujours, c'est une victoire pour rêve américain, pour principe qui dit non pays nous ça, moun capable monter river aussi haut que talent yo, que capacité yo, que rêve yo à discipline yo capable permettre yo river. Donc c'était un extrait dans déclaration chef diplomatie américaine, secrétaire d'État Anthony Blinken fait comme témoignage personnel sous la vie à carrière général Colin Powell qui était servi comme secrétaire d'État américain et comme commandant en chef force armée des États-Unis. Général Colin Powell mourit bien bonheur aujourd'hui lundi 18 octobre là dans Washington DC, il était 84 ans, il était une carrière brillante. Mais en pile observateur, moun kap analyse retenu yon aspect qui négatif dans carrière, c'est présentation multimédia que l'te fait devant Nations Unies pour prouver que Irak gen et zam et ki katouye moun pa bonne et pa paquet. Mete Masou, bon en Port-au-Prince, surtout dans zone sud pour nous garder dans partie sud capitale là pour nous garder ki jan sa ye avec correspondant dans Port-au-Prince Machado Vilme. Moi-même, je respecte parce que j'aime bien les machines, les activités dans l'arrière. Bon, je respecte parce que je n'ai pas les machines sécurisées dans l'arrière. Sorti dans la commune Kafou, passé dans la commune Port-au-Prince, avec la zone qui entoure Lyon, mode de grève secteur transport à quelques secteurs de la vie nationale pays a été lancé pour journée lundi 18 octobre 2021, respecté presque dans tout niveau. Ça nous répétait après constat qui montrait porte l'école et institutions publiques, tant que privées, ont été fermées. Quelques citoyens qui s'allient mouvement ça souhaitaient yon aller mieux après journée grève si là. Bah yo dit en pile si tout nous même pas pour contrat nous pour moto. On va pas acheter moto 32 30000 dollars. On va ça sous lancer contrat nous pour moto. Là regardez soit faire gaz, pas gain gaz en pays, pas ça j'ai même l'elle vini, dit bon petit prix bon. On pas capable faire ensemble avec. On même l'on fin entrer pour là regarder on pas capable rien, même manger on pas capable manger. On va bagaille en pile. L'État prend responsabilité parce que pour nous même quelques jours nous même chauffeur moto et pas là. Moi j'ai un médecin en même. Moi j'ai un médecin en même bon et guidon m'ka kembe. Et yon ba offri rien. Pour l'État prend responsabilité et pas gaz qui ba gagner. Lo alan ba pour plan et goumé. Goumé en l'aime jour client a cri ou gen doit venir avec moto et puis c'est galon k'ap prend rapide. Ou prend pile faille dans mon dos. Maman wel, moi content ça que fait là. Moi content ça que fait là parce que nous pas ka vivre comme ça. Mais nous ne pouvons pas vivre comme ça. Pour c'est un bon changement, nous sommes contents. Nous sommes dans à l'aise, nous sommes même manger à l'aise. Et puis nous sommes vivre. Nous pas besoin. Quand nous sommes dans la rue, presque, si on ne met pas pied sous le bras, mais depuis le matin, je me lève. Si on ne met pas pied sous le bras, je ne fais pas de goudin pour manger. Mais depuis le matin, je me lève, je fais trois souliers. Ça fait ma prière, bon Dieu, pour que les choses changent, pour nous donner une amélioration. Gâchez dans le monde, nous ne pouvons pas travailler. Pays à l'autre, nous ne pouvons pas être président, nous ne pouvons pas être ministre. Mais nous classons pays à la main, nous ne pouvons pas passer Matissan. Galon gaz à vendre 150 dollars. Et quand il vend 1000 gouttes, nous ne pouvons pas acheter. Le client ne va pas monter la motocyclette là parce que le gaz est trop cher. Il y a gaz dans le pompio, le client ne peut pas mettre le gaz là, il va aller gaz dans le pompio. Il y a pas de gaz dans la nuit, il y a pas de doom avec les gens qui vendent gaz là, il va aller à la tête pour les vendre. Bon, je dis à nous dire, nous dans ces grèves là, nous ne pouvons pas discuter avec les parce que tout le gaz va descendre. Nous même chauffeur moto nous dit, nous avons revendiqué, nous avons campé jusqu'à ce que le gaz descende. En bas, il y a un dia. Nous avons pensé après la grève pour que nous avons un petit meilleur parce que ça fait un bon moment pour que nous avons un là, ma promener depuis le matin. Nous avons un peu pas ce jour tout pendant un moment, nous avons un peu parce que tout le monde dit que j'y ai trop cher. Yo aller mais yo quitter là même yo pas l'acheter parce que j'y a trop cher. Dans même journée si là, yon sitting t'est organisé devant compagnie téléphone Digicel pour dénoncer augmentation prix service liyo. Et semaine qui se passe là, yo monté prix mégabyte. Yo monté prix ensemble de services que yo te kon ba yo ou bien ensemble de plan yo. Maintenant je dis à yo question mon cash là, c'est une de service Digicel gain que on dit majorité population yo utilisé parce que on moun ki gen problème, on moun ki gen moun en province, li pas obligé aller en province jodi an pour li capable à porter pas ba famille. Ça c'est un bon service que le créé pour population et que tout le monde peut utiliser. Bon pas qu'aller vos bon matin pour augmenter prix à 40% et me penser que vous t'a supposé aviser clientèle là. Et me penser jodi an tout le monde gen pour devoir pour tenir compte de ça. Et dit Gisèle, c'est ça que n'a demandé c'est retourner sous décision ça que prend. Jodi à là jusqu'à hier dimanche là, vous avez besoin de 438 gouttes pour te retirer 500 000 gouttes dans mon cash.
Jodi al passe de 438 gouttes à 1398 gouttes. Qui va où une augmentation de 152% à partir de demain si Dieu veut. Depuis ce côté qui gagne, succursale, digicelle, qui gagne maison, côté lié, n'a pas mobilisé, boulé caoutchouc jusqu'à ce que Dieu tourne sous décision. Parce que face à la situation que nous avons dû en devenir, nous croyons que c'est important pour que nous lancions un appel ensemble avec les responsables qui ont des digicelles pour que nous fassions retrait sous décision. Et nous tout profiter de lancer avec tout face avec BRH et Conatel qui c'est organe régulateur. Nous croyons que Mokash à travers Digicel qui c'est une banque en ligne, et bien BRH en tant qu'organe régulateur, il doit avoir un contrôle sur ni banque en ligne ainsi que banque physique. Pour quelques citoyens qui ne sont pas d'accord parler dans le micro avec devant caméra, nous encourager le Premier ministre Ariel Henry dans la démarche d'entreprendre pour mettre campé un conseil électoral provisoire tout neuf pour capable d'organiser l'élection dans le pays à pressé. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcia Dovilme pour la Voix de la Mairie. Nous prenons toujours dans Port-au-Prince. Merci Marcia Dovilme pour nous rejoindre. Renan Toussaint qui pourrait dire nous qui j'en grève là. Mandat grève générale, différentes associations, syndicats, transports en commun lancé pour lundi 18 octobre 2021, li respecté à 100%, nous qu'a dit, puisque d'après un pile côté nous passé, dans la direction nord et est, entre capitale haïtienne, non? Notamment zone Bon Repos, zone Kouate Bouquet, zone Tabac, sur route aéroport international, tout ce l'ouverture là, nous qu'a constaté ça, c'est une zone qui blanche, presque tant que coton, c'est rare quelques machines privées, rare quelques motocyclettes, ou qu'a ouais qui a circulé. C'est une grève que le secteur syndicat transport en commun lancé pour dire non à kidnapping, non à insécurité, non avec zak violence qu'a fait sur le territoire haïtien contre des citoyens paisibles. Côté, c'est presque chaque jour, jeune des citoyens qui a mouru en babal inconnu et la police nationale d'Haïti paraît impuissant par rapport à qui ont telle situation. Et c'est un mode de grève tout qui fait pour demander aux autorités concernées dans l'État assumer responsabilité li pour permettre à ce que carburant arrive dans la pompe gasoline. Normalement, vous connaissez que depuis quelques mois, Haïti a fait face à un problème carburant, côté chauffeur motocyclette, chauffeur machine privée, coût public, pas qu'à jouer gaz pour être capable de fonctionner normalement. Le problème, non, c'est que d'après autorité concernée dans l'État, c'est insécurité qui, à la base, y a une telle situation, côté bandit, sans foi ni loi, continue à saisir tant que gazio ou bien camion transport qui pral alimenter pompio en gaz. Taux d'inflation a déjà augmenté, population haïtienne a déjà à vivre une situation très critique sous plan sociopolitique et économique, et bien bagaille vin détérioré puisque prix transport en commun a déjà augmenté puisque gaz là li augmenté tout son marché à côté ces machines noires qu'a fait. Non pas monsieur Renan Toussaint sous place de la capitale haïtienne pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. N'ap quitté et capitale là pour nous qui j'en saïe dans le sud avec correspondant nous Jean-Ernst Eliscar. Toute activité paralysée dans la ville locale journée lundi 18 octobre 2021 dans l'occasion première journée grève syndicat chauffeur yoté lancé sur tout pays. L'école, commerce, la banque, retard porte fermé, transport en commun paralysé. Tout partout dans la ville là c'est barricade. Quelques citoyens te bay impression yo sous grève là. Je dis à nous-mêmes, nous obligé prendre la rue à nous-mêmes comme chauffeur taxi pour nous camper pour nous dire les taxes qui là comme était dire jeune qui pas bon. Nous-mêmes nous vienne dire à Yel, m'a connait comme c'est docteur lié, c'est moun pour l'opérer. S'il pas ca ressource dans pays là, Jonel de là, li mouri, c'est lui qui vient remplacer. S'il pas ca résoudre problème ça, il supposé démissionner lui-même pour nous. Pour nous joindre côté pour nous avitailler nous. C'est pas de pas mal l'école là. Pas de l'argent ça me grand homme d'accord. Machine pas ca monter descendre si moun yo pas gè l'argent pour yo payer taxi, yo pas ca payer machine. La vie a dit pour nous en pile bagaille gaz là trop cher, l'exagéré en pile mes amis. Nous appuyer tout mouvement qui gagne en dans pays là qui pour bay pays à sécurité qui pour faire bonne marche pays à savoir que on connaît toute nèg sécurisé toute nèg mette insécurité dans pays à hier son gros malhonnête de m'a regarder moi population a supporté barbecue qui prend sale nation comme un chef gang qui doit des baou mais moi irresponsabilité la police qui pas mettre barbecue dans voie wall li
Cependant, nous dans la rue, on a appuyé toute forme mouvement qui gagne dans le pays, qui porte un changement, qui pour faire payer à marcher terre de. N'a pas signalé dernier jour ça yo, gaz très rare dans pompe à essence dans ville locale. Cause machine qui qu'on a cherché gaz yo pas capable de traverser Matissan. Situation la cause dans marché informel là, ti machin yo qui t'a acheté un gallon gaz pour 201 goud a prévendu à 1250 goud. En gros, grève syndicat chauffeur yo respecté à 100% dans département sud là. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique au Caï. Merci Eliska et n'a dit que dans ville Saint-Marc même journal Junior Racine fait nous connaître que chauffeur taxi bloqué et ben circulation pour appuyer grève ça qui était lancé à et qu'on a nous pas le rejoindre Jean-Aubert Philippe. Jean-Aubert Philippe c'est et ça le Globe Trotter il est tout partout. Jean-Aubert Philippe ou t'es d'abord dans Washington DC montant suivi en manifestation, dis-nous non qui ça qui passé. Bon, te gen yon manifestasyon yon group Haitien Stand Up For Haiti te organize nan Lincoln Memorial la nan Washington DC, men pou de rezon teknik e pou ou bien mank de planifikasyon, manifestasyon san li de oule men pat gen moun la dan, vreman pat gen asse de moun la dan, paske so pat gen Delco pou ou ate te pren la parol, ou bien li jiska skwe mte kite manifestasyon. Se mba yon gona yiv la jan oube? Exactement, même bagaille là, pas de gain courant, pas de gain Delco pour faire Delco pour faire bah, la marche pour que tu capable manifester. Mais des monde quand même et responsable, il était profité de l'occasion de la presse pour te dénoncer et façon administration à gérer et situation immigrant ici qui t'a cherché à entrer dans le pays sans document légal. Et Jean, ben, dis-nous rapidement en 30 secondes situation monde dans pays Chili qui en difficulté pour rejoindre papier légal pour capable rentrer dans le pays. Rapidement. Bon, moun sa yon nan problem, Jacqueline, parce que délai que gouvernement chilien te fixé pour tout immigrant, particulièrement haïtien, qui pour te régulariser statut yo, délai a été fixé pour 17 octobre là, mais délai ça a passé et sans que pifonan yo pas arriver régulariser statut yo. Question qu'on y a, c'est qui ça a fait, qui ça gouvernement prête faire avec moun sa yon là. Merci Jean-Robert Philippe, c'est là n'a pas mette fin dans le programme. M'baka.